Salut à tout le monde. Bah, suite à la demande de beaucoup de gens sur mon Discord par rapport à le free TP, comment on installe le free TP sur une map qu'on a téléchargé, on va dire comme ça, sur un site internet, voilà. Les tutoriels, ils sont tous là-dedans. C'est pas trop compliqué à avoir. Je mettrai cette page, la page des DMP en description sur ma chaîne YouTube, sur cette vidéo en fait. Et là-dedans, vous avez tout ce qui est le free TP, l'installation, trigger de vente du free TP. C'est suite à ça que j'ai réussi à mettre le free de vente de la terre, tout ce qui est terre, tout ce qui est sable, gravier, tout ça quoi en fait, sur ma map. Là, je vais expliquer comment je fais suite à quelques jours de galère pour installer le free TP. Hein. J'ai demandé à un ami pour m'aider à installer. Bah, le free TP, je l'ai téléchargé, il est là en fait. Hop, il est là-dedans. Voilà. On aura besoin de cette dossier là. J'ai la carte de TMP, la carte que je vais récupérer les lignes qu'on a besoin pour mettre sur notre carte à nous. Hop. Là, c'est la carte que j'ai téléchargée en fait la carte que j'ai téléchargée sur un site internet, voilà. Il y a plein mal hein. Et en fait j'ai décompressé et je me trouve quand on décompresse, on ouvre le dossier de la carte. Il a ce dossier là, on clique dessus, et c'est là que ça se passe en fait. Pardon. Je vais récupérer, là je récupère, je fais copier-coller, hop, je colle ici le free TP. Hop, je ferme ça là parce que j'ai plus besoin. Et là, le free TP, il est installé dans la première dans le premier dossier, que c'est celui-là, la suite à Maps. Hop. Là, je vais sur le XML. Par exemple, à tout à l'heure, j'étais en train de regarder, mais il est où le XML là-dedans? Parce qu'il y en a beaucoup de maps que le XML il est tout de suite là à disposition. Le XML Maps, il est là tout de suite à disposition. Mais là, on a un dossier qui dit XML. Et c'est cet XML qu'on va toucher en fait. Hop, on va là. Et là, il faut rajouter les deux lignes. Les deux lignes que je vais aller chercher ici. Hop, dans cette map là. Hop, Maps. XML de Maps. Et c'est les deux lignes qui sont là. Exactement. Et on va le exactement comment elles sont là. Motion par effet, patch effet, eval fill name, voilà. On récupère les deux lignes là, hop, copier comme j'avais ouvert le XML à tout à l'heure. Hop, je vais là et je vais exactement mettre après les deux lignes là comme on a dans l'autre map. Hop, on va faire comme ça. Hop, et voilà, les deux lignes, elles sont là. On enregistre. Et là, on ferme. Et là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je crois qu'il est. Ouais, hop. Et là, j'ouvre le.
la jour, la 3D, la map, de la map. Et là, on est bien arrivé sur la map en fait. Là, je suis sur la partie de concessionnaire, c'est-à-dire où on achète les véhicules et tout ça. Non, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Armement moteur. Ok. Et là, je vais mettre. Hop, terrain détail. Hop, terrain détail. Terrain détail 8. Du coup, il a tout là-dedans. Hop. Et là, je vais voir. Là, je vais voir exactement qu'est-ce qu'on a comme code culture. Et le code culture, il se trouve exactement dans le free TV. Hop. Là, on a Dart 5, Dart 1, 05 et Dart Vegetal 15. On va mettre ça. Hop, 5. Hop, hop, hop. Je vais faire un tas là. Ça a l'air de marcher. Après, c'est 15. Vérifier. Zéro cinq et 15. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, 15. On va mettre là un tas. Et 0,5 si je suis pas en erreur. 0,5. Je fais un tas. Je vais faire un autre. 125, non, 0,15. 0,15 de sable. Gravier 25. Et voilà, maintenant on enregistre. C'est bon, on ferme. Hop. Là, je vais copier. Et là, on démarre le jeu.
Là, on démarre. On démarre là. Hop. Et bon, voilà. Voilà, le fruit de paix est bien installé. Parce que si vous voyez bien les textures apparaissent bien. Après, pour ramasser par exemple le sable là, ramasser le sable, le gravier, tout ce qui est terre végétale et tout ce qui est des autres terres. Faut bien avoir le terrain en possession pour qu'on puisse ramasser tout en possession, c'est-à-dire que vous achetez vos terrains pour pouvoir travailler dessus. Si vous mettez par exemple la terre avec le géant éditeur sur un terrain et que vous n'avez pas la possession de terrain, que le terrain il vous appartient pas, vous pouvez pas ramasser la terre en fait, la terre ou les autres produits en fait. Et voilà, le tuto il est fait. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas compris. Merci, bonne journée, au revoir. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.